et Radio de Vie. Il est 20h30, 31, heure locale, heure de Paris, et nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ton amour, pour ta grâce. Seigneur, nous bénissons ton nom pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Nous voulons te dire merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Et nous bénissons également le Seigneur, ton nom, Seigneur notre Père. Nous te bénissons pour toutes les belles choses que tu nous permets de vivre. Au nom de Yeshua, nous te prions, Dieu d'Israël. Amen. Voilà, mes frères, je commence cette émission avec trois questions. Et trois questions qui, n'est-ce pas, vous permettront, bien sûr, si vous répondrez correctement, de gagner, voilà, trois BGC. Donc, tout est gratuit, bien sûr. Donc, juste pour vous motiver à la lecture de la parole. Hein. Donc, je vais vous poser trois questions. Donc, préparez-vous et à appeler au 01 64 98 90 45. 01 64 98 90 45. Donc, on va de temps à autre vous proposer ce type de questions et pour vous permettre d'avoir, n'est-ce pas, une Bible, donc notamment la dernière version de la BGC. Il y en a seulement 23 exemplaires. Et voilà, donc le format cuir, comme vous le savez, doré, avec des onglets, tout ça. Et voilà, donc trois questions. Donc préparez-vous. Donc bien sûr, vous allez appeler rapidement au 01 64 98 90 45. Alors la première question est celle-ci. Donnez-moi le jour exact où Yeshua a été crucifié. Le jour exact de la mort de Yeshua. Jésus-Christ a été crucifié, n'est-ce pas, un jour, bien sûr, de la semaine, et lequel c'est? Donc, vous pouvez appeler tout de suite et nous donner cette réponse. Et on vous enverra, donc on prendra en même temps votre adresse postale. Et dès demain, on vous envoie un exemplaire de la nouvelle BJC. Voilà. Donc, on attend votre réponse. Alors, vous êtes très rapide, hein. C'est voilà. Donc, on a quelqu'un en ligne, David? Non, ça a coupé. Voilà. Donc, je sais que vous êtes prêt à bondir sur, bien sûr, sur le téléphone pour appeler afin d'avoir éventuellement votre exemplaire. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Oui. On vous entend très mal. Bonsoir. Bonsoir. C'est pour répondre à la question. Ok, vous nous appelez d'où? Pardon? Vous nous appelez de quelle ville? On vous appelle de Saint-Denis-le-Bourg. Ok, c'est quoi la réponse? Le jour exact de la mort de Yeshua. Oui. Non, je sais qu'il est mort le troisième jour. Il est ressuscité. Mais le jour exact. Oh. Il est ressuscité 3 jours après sa mort. Et quel est le jour où il a été crucifié? Le jour de la semaine, c'est quel jour? Donc, la sœur n'a pas pu répondre à la question. Je sais que elle aimerait bien voir cet exemplaire, cette version. Voilà, c'est sûr que c'est une belle version, hein. Et voilà. Voyez comment elle est jaune, toute dorée. Et voilà. Donc, que Dieu soit béni. Allô, bonsoir. Oui, allô? Oui. Allô, je suis là, j'attends. Ok, quel est le jour? Vous appelez d'où? Moi? Oui. Moi, j'appelle, je suis à Épinay-sur-Seine. À Épinay-sur-Seine. Alors, donnez-nous le jour de la semaine où Christ a été crucifié. Ah, les jours, il a été crucifié le jeudi. Allô? Jeudi? Oui, c'est le jeudi. Non. C'est pas les jeudis? Non. Mais si, c'est les jeudis, c'est. Hein? Non. Les jeudis. Alors, quel jour
crucifié. Ah, crucifié? Oui. Crucifié, ouais. Attends, l'ange. Hein, allô? Oui. Allô? Allô? Il a été crucifié le jeudi, non? Non, il n'a pas été crucifié un jeudi, non? Pardon? Il n'a pas été crucifié un jeudi. C'est jeudi, maman. Si, c'est jeudi. Non, ben non. On ne va pas vous mentir. Là, on me dit, c'est pas jeudi. Attends. Ah, bon, mercredi alors. Mercredi. Ok, il a été crucifié le mercredi, donc un mercredi, à 9h. Il est resté 6 heures sur la croix. Oui. D'accord. Donc jusqu'à 15 heures. Oui. Et son corps a été enlevé de là, de la croix, descendu de la croix. Oui. Et mis dans la tombe vers 17h, 18h par là. Oui. Et ensuite, il est ressuscité un samedi soir. Ça correspond au début de dimanche. Parce que dans la Bible, chez les Hébreux, selon Genèse 1, le jour commence le soir, c'est-à-dire vers 18h. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le jour 1. Et à chaque fois, c'était ça. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Chez les Romains, d'après le calendrier romain, donc, qui est une réforme, hein, donc un calendrier réformé, le calendrier julien réformé, selon ce calendrier justement que nous utilisons également actuellement pour... enfin, beaucoup de nations l'utilisent. Selon ce calendrier, donc le calendrier romain, le jour commence à minuit. Alors que dans le calendrier hébraïque ou biblique, le jour commence à 18h. Donc, il a été arrêté un mardi soir, selon notre calendrier. Mais selon le calendrier hébraïque, c'était le début de mercredi. Et à 9h, le lendemain 9h, toujours mercredi, il a été crucifié. Et à 15h, on a descendu son corps de la croix et mis dans la tombe. Et le samedi soir, à la fin du Shabbat, au début, donc le début de dimanche, il est sorti de la tombe. Et le dimanche matin, très tôt le matin, quand les femmes arrivent à la tombe, le Seigneur n'était plus là. Et ça a fait 3 jours et 3 nuits, contrairement à ce qu'on nous a enseigné par l'Église romaine, catholique, romaine, que Christ serait mort un vendredi soir, alors que c'est faux. Et s'il était mort un vendredi soir, ça ne ferait pas 3 jours et 3 nuits, alors que le Seigneur dans Matthieu 10 disait qu'il allait faire 3 jours et 3 nuits, dans Matthieu 12, pardon, comme Jonas dans le ventre du poisson. Donc, la nuit de mercredi soir, donc qui correspond à début de jeudi, à jeudi soir, un jour et une nuit, jeudi soir à vendredi soir, 2 jours, deux nuits, et vendredi soir à samedi soir, 3 jours et 3 nuits. Donc, ne raccrochez pas, on va prendre votre adresse. Et vous envoyez dès demain cette version de la BJC. Et un conseil, trouvez une pochette pour pouvoir la protéger, parce que c'est quand même un trésor, la parole de Dieu. Donc elle a coûté beaucoup d'argent. Elle est gratuite, bien sûr. Et trouvez une pochette pour vraiment la protéger. Et prenez-en soin, car il y a beaucoup de gens dans le monde qui aimeraient bien avoir cette version aussi. Et prenez-en soin. Donc que le Seigneur soit béni. Merci en tout cas à l'équipe technique. Donc cette Bible, elle est plastifiée bien sûr, filmée. Et elle est mise de côté pour la sœur qui a répondu correctement. Gloire à Dieu. Voilà. Alors il y en a, je vois qu'ils sont prêts. Ils sont en train d'appeler déjà alors que la personne est en ligne. Et alors la deuxième question vous sera posée dans quelques secondes. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni pour votre fidélité, pour votre amour, pour la vérité. Et ne vous inquiétez pas, demain on va recommencer la même chose. Là, la question n'est pas encore posée, la personne appelle déjà. Voilà. Que Dieu soit béni. Alors, demain, on va voir sur Skype aussi, si on a un Skype pour que les gens posent des questions par écrit. Ça serait une bonne chose. Donc, la personne a appelé, David, pour la question. Ok. Alors, on va lui poser cette question. Que le Seigneur soit béni. Alors,
Bonsoir. Allô. Allô. Bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre ordinateur, s'il vous plaît? Apparemment, suite à une question. Allô. Allô. Pouvez-vous vous éloigner de votre ordinateur? Oui, oui, je m'éloigne de plus en plus, d'ailleurs. Vous nous appelez d'où? Allô. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez plus écouter votre portable, votre téléphone, plutôt que votre ordinateur? Vous nous appelez d'où? Moi, je vous écoute. Vous nous appelez d'où? De Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. Alors, très bonne question. Et pardon, très bonne chose, pardon, parce que c'est vrai que c'est assez loin. Hein. Que le Seigneur soit béni pour votre amour, pour la vérité. Alors, Dieu est bon. Alors, donnez-moi, mon frère, le nom de la femme ou de l'esclave qui avait ouvert la porte à Pierre après sa sortie de la prison. Ne regardez pas la Bible. Après sa sortie de la prison. Oui, le nom de la femme qui lui a ouvert la porte. Qui a ouvert la porte? Je dois avouer que je ne l'ai pas. Ok. Je ne sais pas. Tant pis. Ah là là. Oui, attendez. Il ne faut pas tricher, hein. Oui. Allô? Oui. Oui, il y a encore ma mère à côté, c'est tout. Mais pour moi, je sais que j'ai pas la réponse. Donc, vous n'avez pas la réponse? Non. Voilà. T'as pas la réponse? Eh ben. Bon, ben, elle a oublié. Donc, je vous remercie quand même. Je sais que c'était pas pour moi, et puis voilà. Merci, frère. Bon courage. Oui, merci à vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Voilà, donc ça va vous encourager à méditer la parole de Dieu, à méditer la parole du Seigneur, parce que je ne vais pas reposer la même question aux autres, parce que vous allez forcément aller vérifier tout ça. Et donc, on va poser une autre question. Voilà. Allô, bonsoir. Allô. Oui, allô. Bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, bonsoir. Vous nous appelez d'où? De Belgique. De Belgique. Ah, que Dieu soit béni. Vous vous appelez comment? Cathy. Vous vous appelez comment? Cathy. Cathy, d'accord. Alors Cathy, dites-nous, quel est le nom du premier homme qui a fêté son anniversaire dans la Bible? Hérode. Hérode, non? Oui. Non? Oh. Enfin, le nom ou son titre, hein? Pardon? Son nom ou son titre, c'est plus son titre. Ben, c'était le roi Hérode. Le roi Hérode, non. Hérode est le deuxième homme à avoir fêté son anniversaire. Le premier homme, c'était le roi d'Égypte. D'accord. Dans Genèse 40. D'accord. Voilà. Merci. Au revoir. Voilà les lecteurs de la Bible, mes amis, que Dieu soit béni. Alléluia, gloire à Dieu, Dieu travaille. Donc, on est toujours hein, à la deuxième question, là, la deuxième Bible, elle a du mal à partir là. Gloire à Dieu, donc une troisième personne, une autre personne. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. On vous entend très mal. Vous nous appelez d'où? Oui, je vous appelle de Monégala. De? Monégala, à Corbeil. Moulin Galant. À Corbeil. C'est à Corbeil à côté? Oui. Voilà. Oui. Au revoir. Ok. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre ordinateur, s'il vous plaît? Ceux qui nous appellent, essayez de vous éloigner de l'ordinateur hein, ou de votre écran de télé pour ceux qui nous suivent sur le câble. C'est bon? Je vais juste entendre la question en fait. Mais il faut que j'anime pour attendre la question. Non, mais avec votre portable, votre téléphone, c'est bon?
Ah, ok, il n'y a pas de souci alors. Bah oui, il n'y a pas de problème. Donc, parce qu'on a un standard, donc du coup, c'est relié au téléphone, donc il n'y a pas de souci. Alors, mon frère, donnez-moi, n'est-ce pas, donnez-moi, qu'est-ce que je peux poser comme question? Il y a tellement de choses à poser. Et le nombre de personnes qui sont marquées sous le front, hein, marquées au niveau du front, dans Apocalypse, et qui suivent le Seigneur partout. Le nombre de personnes marquées au niveau du front, avec le nom de Dieu, et qui suivent l'agneau partout. Au moment de, après la tribulation ou pendant la grande tribulation. C'est 144 000. 144 000 personnes issues des 12 tribus d'Israël. Que le Seigneur soit béni pour cette réponse. Alors, ne raccroche pas, on va prendre ton... Comme tu as Corbeil, tu peux passer demain récupérer ta Bible? Oui, je peux passer, oui. Tu peux même passer tout de suite si tu le souhaites. Oui, demain je passerai parce que j'ai pris l'ensemble à côté. Ok, ben demain tu passes, demain soir, tu récupères ta BGC, il n'y a pas de problème. Que Dieu soit béni. Alors, on prend voilà, une deuxième Bible qui est partie. Donc demain, on fera partir, David, on va faire partir au moins 10 Bibles aussi comme ça. On va s'organiser. C'est vrai que ça, au niveau des frais, ça va beaucoup nous coûter, mais les frères et sœurs sont touchés et soutiennent énormément l'œuvre du Seigneur. Et nous voulons être reconnaissants envers Dieu et envers ses frères et sœurs qui soutiennent énormément le travail du Seigneur. Et nous vous aimons au nom de Yeshua. Voilà, une autre personne? Je ne connais pas. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Poitiers. Ah, depuis Poitiers, que Dieu soit béni. Et vous vous appelez comment? Vous vous appelez comment? Sandrine. Sandrine, que Dieu soit béni. Alors, Amen. Sandrine, que Dieu soit béni. Alors, donnez-moi au moins, Sandrine, oui. 6 noms des 12 apôtres. Ils étaient 12, mais donnez-moi seulement 6 noms. Amen. C'est simple. Pierre, hein? Jacques, Jean, Matthieu. Mm-hmm. Allô? Ouais, ouais. Pierre, ouais. Jacques, Jean, Matthieu. Étienne. Allô? Étienne? Étienne. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr qu'Étienne était apôtre? Étienne. Oui. Oui, non? Non. Thomas? Thomas. Allô? Oui. Thomas. Allô? Oui. Vous m'entendez? Alors, on recommence. D'accord. Jacques, Jean, Pierre, Jacques, Jean, Matthieu, Thomas, Étienne. Non. Paul. Non. Ah non, les 12, pardon. Barthélemy. Barthélemy. On t'a soufflé, non? On vous l'a soufflé, hein? Ah, c'est pas correct, mon frère. Hein? On est un. Comment? Nous sommes un. Ah. Bon, là, je suis coincé, là. Bon, donnez l'adresse. Amen, oh. Merci. Comme vous êtes un, on n'a pas le choix, c'est écrit. Bon. Amen. Que Dieu soit béni, donnez votre adresse. Alors, on va m'amener une quatrième Bible pour cette personne-là qui est là, qui se dit, moi, Seigneur, oh là là, oh là là. Bon, ne vous inquiétez pas, demain, on renouvelle l'émission. Voilà, donc une quatrième Bible, on va la glisser juste comme ça glisse là. C'est, voilà, merci Seigneur, parfait.
donc une quatrième Bible que l'on a là. Merci. Voilà la dernière de la soirée, parce qu'à la base c'était trois. Donc la dernière de la soirée. Demain, on va avoir au moins 10 questions. Donc de temps à autre, on va procéder comme ça pour que l'on soit juste. Hein, parce que bon, on veut vous encourager. On veut que tous les enfants du Seigneur soient encouragés. Parce que vous nous encouragez dans nos combats, dans nos épreuves. Vous croyez que Dieu travaille avec nous. Vous croyez que Dieu est celui qui a initié ce travail malgré les épreuves. Et nous voulons vous encourager, mes frères et sœurs. Voilà, c'est ça l'évangile. Vous êtes loin, comme ça tout le monde, personne ne pourra dire non, nous, on n'a pas été, on a été écarté, tout ça, on n'a pas été, on n'a pas bénéficié de ce travail. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez bénéficier de cette version. Il n'y a pas de problème. Donc, la dernière de la soirée, elle est là. Voilà. Alors, on a une autre personne. Parfait. Allô, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Château-Gontier. Ok. Comment vous vous appelez? Rainouille. Ok. Alors, question. Alors, parce que c'est vrai que vous nous appelez avant les questions, donc du coup, ben, on est obligé de réfléchir avant de poser, de vous poser ces questions. Et voilà, que le Seigneur soit béni pour son œuvre. Alors, une question qui va être un peu compliquée, mais on va essayer de trouver une question beaucoup plus simple pour vous aider. Est-ce que vous pouvez nous répéter le psaume 23? Psaume 23. Oui. Deux secondes, hein? Donc le psaume 23, c'est quand tu t'assieds pour manger avec un gouverneur, considère avec attention celui qui est devant toi. Non, c'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Psaume 23. Psaume 23, ce n'est pas ça. Ah, je me suis trompée. Tant pis, ma soeur, bon courage. Merci, au revoir. Au revoir. En fait, c'est Yahweh et mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà, donc c'est le psaume 23, c'est le psaume le plus connu. Donc voilà. Alors, elle est toujours là, elle vous attend. En fait, tout ça, c'est pour vous encourager en fait, hein, à méditer la parole. Bien sûr, si vous venez sur place, et si on peut, on vous les offrira, ce n'est pas un problème. Et voilà, donc ça, c'est pas... voilà, il n'y a pas quelque chose de formel, on n'est pas... Oui. On veut juste vous encourager à méditer la parole, à la retenir, c'est tout. Et allô, bonsoir. De Paris. Allô. 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 Oui, vous nous appelez depuis Paris. Oui. Vous vous appelez comment? De Paris. J'appelle de Paris. Moi, d'accord. Hein. Allô. Oui, est-ce que vous pouvez... Sur télé-devis. Tout à fait. N'écoutez pas, ne suivez pas votre ordinateur. Est-ce que vous pouvez juste parler avec votre portable, votre téléphone? D'accord, si, si. Ok, je m'éloigne alors. Oui, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Ok, merci. C'est pas psaume 23, hein, c'est pas ça. Ah, allô? Psaume 123. Non, c'est pas ça. J'ai pas encore posé la question. Je pensais que j'allais passer avec le frère Chora, je comprends pas. Mais là, vous êtes en ligne avec moi. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, c'est quoi la question? Est-ce que vous pouvez juste vous éloigner de votre ordinateur parce qu'on entend le bruit de fond? Ah, d'accord, d'accord, je me suis éloignée. Je me suis éloignée. Ok, allô? C'est bon. Oui. Donc, vous appelez depuis Paris, vous vous appelez comment? Cynthia. Cynthia, d'accord, c'est parfait. Alors, Cynthia, est-ce que vous pouvez nous dire, nous donner les noms de trois apôtres que le Seigneur avait amenés avec lui lorsqu'il a ressuscité cet enfant de 12 ans? Trois apôtres. J'aurais dit Pierre.
Mmh. Et Là, le troisième, ça me vient pas. Non. Le troisième, ça me vient pas. Ok. Jacques? Est-ce qu'on vous l'a soufflé? Non, du tout. Mm-hmm. Du tout. D'accord. Vous êtes sur Paris, c'est ça? Oui, je suis sur Paris. Vous pouvez venir sur place pour la récupérer? Oui. Oui. Ok, alors à demain. Demain? D'accord. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit béni. Voilà mes frères et sœurs, donc préparez-vous demain soir. Eh ben voilà, on va recommencer la même opération pour vous encourager, donc il n'y a pas de souci. Donc si j'ai bien compris, nous avons deux adresses et deux Bibles à envoyer, donc demain par la poste. Et deux autres qui vont être récupérés demain ici à Bras de Fer. Que le Seigneur soit béni. Il est 21h-4, si je ne me trompe. Que le Seigneur soit béni pour son nom, pour son œuvre. Donc demain, on renouvelle l'opération. Voilà. Que le Seigneur soit béni. C'est beau, hein? Que le Seigneur soit béni. Oh là, on a quelqu'un en ligne. Qu'est-ce que la personne veut? Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Arrête-le, s'il te plaît. Oui, allô, j'attends qu'on me parle, moi aussi. Mais, depuis tout à l'heure, on dit aux frères et sœurs, quand vous nous appelez, faites tout pour vous éloigner de votre ordinateur. Parce qu'on a le retour, là, c'est pas propre ici. Que voulez-vous? Je voudrais essayer une question. Comment? Je voudrais essayer une question. Ben, le problème, c'est que... Voilà, on a toujours le bruit de fond, là. Il ne faut pas vous éloigner complètement, là. D'accord. Allô? Voilà, vous entendez mieux? Oui. Oui. Donc, ceux qui nous suivent, là, s'il vous plaît, si vous voulez appeler, éloignez-vous déjà de votre ordinateur, parce que on est chrétien, vous savez, répéter la même chose, à force, on se demande est-ce que les gens comprennent ou pas. Voilà, donc, normalement, toutes les questions étaient... voilà, on a répondu à toutes les questions, hein, ce soir. Oui. Donc, il va falloir rappeler demain, pendant l'émission. D'accord. Allô? Voilà. Merci, au revoir. Voilà mes frères, que Dieu soit béni. Alors on fait une petite pause et on recommence dans 3 minutes. Voilà. Merci.